Après l'apprentissage, c'est l'heure de la démonstration pour les capoeiristes. Devant parents et amis, ils font le spectacle, très riche en musique, en esquive, en acrobatie et en gymnastique. À chaque passage, ils sont applaudis par le public. Le spectacle est grandiose parce que c'est ma première fois d'assister à une cérémonie de capoeira. J'avais entendu parler, mais je ne savais pas réellement ce que c'était. J'avoue que lorsque je l'ai vu prester, c'était vraiment intéressant. Et donc, vraiment, on est venu la soutenir aujourd'hui pour le baptême. L'instant le plus important est le passage de grade en fonction du niveau des apprenants. Comme dans tous les arts martiaux de la capoeira, il y a aussi les passages de grade. Et c'est ce passage de grade qui est suivi des échanges. Le grade de capoeira ne se prend pas dans les coulisses. Il faut surtout que l'élève passe devant les autres capoeiristes et les parents d'élèves pour montrer ce qu'il sait faire. Ce n'est pas un jour où on examine l'enfant ou bien nous allons tester. Non. Donc c'est le jour où on reconnaît le niveau de l'enfant et on le croit, le changement de niveau. La capoeira est un art martial afro-brésilien. Elle aurait ses racines dans les techniques de combat et de danse des peuples africains du temps de l'esclavage.